Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour, 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 et bienvenue encore à Science Reborn. Et c'est reparti pour un témoignage puissant où Dieu lui-même va nous révéler des choses extraordinaires. Aujourd'hui encore, un ex-sataniste va nous rappeler que Jésus est Seigneur, que Dieu est vivant, et nous va tout simplement nous raconter ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu dans le monde des ténèbres. Ça va être chaud, ça va être pour une heure de témoignage. Alors abonnez-vous sur cette vidéo, activez la cloche pour marquer la prochaine vidéo, laissez un j'aime si vous êtes touché, et préparez-vous pour la prochaine vidéo ou encore le prochain témoignage qui va surgir. Témoignage, ça va être extraordinaire, et vous êtes où? Sur Nyans Reborn. Alors ça peut t'aider à attendre le témoignage, attendez le témoignage parce que c'est que ça va être chaud. Let's go! Ok, let's go, mes frères, c'est la chose. Écoutez, s'il vous plaît, let's go. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour! Nous continuons avec le témoignage. Ton indélène au chaud. Hier, on s'est arrêté sur les commandements de Lucifer. Jana, tu l'issima ma Dieu à ma amri à Lucifer. Amen, amen. On n'a pas eu le temps de conclure. Atukupate wakati ya kufunga wala kumaliza. Et aujourd'hui, na leo, nous donnons ce qui est resté. Tunaleta ile ilibakia, et on passe à autre chose. Na tutapita ku vitu vingine. C'est-à-dire l'armée de Satan. Nikusema jeshi ya shetani. Amen, amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, napenda leo, que tu me prêtes ton attention, upate kutega sikio, afin de connaître l'armée de Lucifer. Hivi upate kujua jeshi ya Lucifer. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de l'adoration. Leo tutasema kuhusu uwezo ya kuabudu. Amen, amen. Notre Dieu, Mungu wetu, si nous voulons le provoquer positivement, kama tunapenda kumchokoza mnamna mzuri, amen, on peut le faire à partir de deux éléments. Tunaweza kuifanya kupitia vitu viwili. L'adoration et la louange. Maabudu na sifa. Parce que lui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Notre Dieu, quand on l'adore, amen, automatiquement, il ouvre le ciel. Et toutes les bonnes choses qu'on cherche descendent dans nos vies. Amen. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu cherches, amen, toutes les bonnes choses que tu cherches, toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu. Il suffit que toi, tu puisses bien l'adorer. Et automatiquement, il va te donner ce que tu cherches. Mais le diable, connaissant cela, il a déjà orienté l'adoration. L'adoration qui devait revenir à Dieu. Lui, le diable, a orienté cette adoration vers lui. En poussant, bien sûr, les humains à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. La Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Mais quand tu observes bien ta vie, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, la manière dont tu vis, ton comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. Amen. Et sache, quand tu fais des choses pareilles, tu es en train d'adorer le diable sans le savoir. Il y a les démons de Satan qui te poussent à faire cela. Et aujourd'hui, tu dois découvrir ces démons-là. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous voulez combattre un adversaire, il est vraiment indispensable de connaître cet adversaire, de connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies. Et quand vous découvrez cela, vous allez aussi utiliser des armes conséquentes. Amen. Vous pouvez attaquer vers la droite, mais votre ennemi se trouve à gauche. Ce sera difficile de l'atteindre. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il faut que tu découvres le diable et son organisation. Il n'a pas chaud, vous voulez ibilisi na matengenezo yake. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons deux livres. Le premier, c'est le livre de Zacharie. Le chapitre 14. Et le verset 17.
Le deuxième livre, c'est l'Évangile selon Luc, le chapitre 3, du 21e jusqu'au 22e verset. Zacharie 14, 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'il y a des familles de la terre, qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Luc 3, 21-22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Wewe ni mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yangu nilitia mapendo yangu yote. Amen, amen. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Uku mwanangu mpendwa. En toi j'ai mis toute mon affection. Ndani yako nilitia mapendo yangu yote. Là ce sont les déclarations du Dieu le Père. Wale ni matangazo ya Mungu Baba. Sur Jésus. Juu ya Yesu. Amen, amen. Ce sont des bonnes déclarations. Ni matangazo mzuri. Des déclarations de bénédiction. Masemi ya baraka. Amen, amen. Ces déclarations-là qui avaient été prononcées sur Jésus sont aussi valables pour nous. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Amen. Amen. Amen, amen. J'aimerais que Dieu puisse faire aussi de bonnes déclarations sur toi ce soir. Parce que la Bible dit clairement, ces déclarations-là ont été prononcées après la prière. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. J'aimerais que ton adoration, l'adoration de cet après-midi, l'adoration de ce soir, que cette adoration puisse ouvrir le ciel. Amen. Et que Amen. Les bonnes déclarations venant de Dieu soient prononcées sur ta vie. Amen. Même si tu cherches le mariage, la fécondité, le travail, toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu. Dieu est capable de te donner cela si tu l'adores comme il faut. Amen. Amen. Aujourd'hui, le diable n'aura plus d'adoration. Ce n'est que notre Dieu, lui seul, qui sera adoré ce soir. Amen. Le diable, amen. J'ai donné le 4 premier. Et ici, j'insiste sur le premier commandement. Il dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ça, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Quand vous prenez la Bible, dans la version Les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau, Amen. C'est-à-dire la Bible des témoins de Jéhovah. Vous prenez ce premier commandement. Ici, il est question de la prière et du jeûne. Quand vous lisez la Bible, vous êtes dans Matthieu 17, 21. Là, le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière. Quand vous prenez cette Bible-là, vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible. Allez vérifier. Allons vérifier. Le Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Le passage-là, Matthieu 17, 21. Où Jésus dit que cette de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Vous allez voir que dans cette Bible-là, ce passage n'existe pas. Et à cette place, il y a juste un trait. Allez vérifier. Et ça va, c'est encore une preuve. Amen.
qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus. Wow. On était sur le quatrième commandement. Tu le crois, Dieu a amri à une. Le quatrième commandement dit ceci. Il est amri à une nasema. Laissez les chrétiens pauvres. A tieni wa Christ wa baki maskini. En leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. Wow. Zambia wasilete machekumi na kutoa masadaka. C'est qu'on a dit hier. Dieu le tulisema jana. C'est là, c'est par là qu'on s'était arrêté. Dieu pas le tulisima mi. Et toujours en rapport avec ce commandement. Paka kufuatana na ile amri. Le diable, Ibilisi, il pousse même certaines personnes vers la malédiction. À partir des offrandes. Au moment des offrandes, ce qui est important, ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier. La Bible dit, dans Malachie chapitre 1, verset 14, la Bible dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, mais qui sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église. Ça, c'est vrai, je vous parle de quelque chose, c'est la vérité. Ah, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent avoir dans sa poche. Il a par exemple 5 000 francs. Au moment des offrandes, il prend 200. Ou bien 500 francs, c'est ce qu'il donne à Dieu. Là, vraiment, tu t'attires la malédiction. Amen. Amen, amen. Ah. Ça, c'est toujours en rapport avec le quatrième commandement. Le cinquième commandement. Le cinquième commandement. Et ceci. Nasema. Ça, c'est le diable qui nous dit ceci. Allez propager la haine entre le chrétien et les divisions dans les églises. Ce sont des choses que nous voyons. Vous allez voir des gens d'une même communauté, d'une même église, d'une même paroisse. Mm-hmm. Ne s'attendent pas. Ne s'adressent pas à la parole. C'est la vérité. Est-ce que je mens? C'est vrai. Hein? Et on s'est dit chrétien. On peut pas dire que c'est faux. Mais Jésus dit ceci. Quand vous lisez Matthieu 5, 23-24, Jésus dit ceci. Si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te rends compte que tu as déconfié avec quelqu'un, rentre d'abord te réconcilier. Et ce n'est qu'après que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu. Amen. Si tu ne fais pas cela, tu perds ton temps. On a protégé Wakati. Jésus nous dit encore dans Jean 15, 12, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et l'apôtre Paul nous dit, quand nous lisons Romains 13, verset 8, il dit ceci, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Pour le problème de haine entre le chrétien, le diable, il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. C'est là où il y a le ministère du serpent. Wow. Le ministère du serpent. Le ministère du serpent. Et là, le diable utilise beaucoup les mamans. À partir de la calomnie et la médisance. Vous voyez un serpent. Quand un serpent est à un point, il veut atteindre un autre point. Est-ce que ce serpent là va suivre une trajectoire droite? C'est impossible. Même si le point est devant lui. Amen. Est-ce que le serpent va suivre une trajectoire droite? Par contre, il va faire une ligne qui est brisée. Amen. C'est comme ça que le diable travaille. C'est-à-dire, vous verrez certaines personnes. Certaines mamans. Elle va chez celle-ci, elle parle. Elle va chez une autre, elle parle. Elle parle. Elle parle. Maintenant, ces gens-là, avec qui elle a parlé, lorsque ces gens vont se confronter, il y aura des problèmes très sérieux. Il y a des mamans qui sont spécialistes dans ce domaine-là. C'est le diable. Des mamans spécialistes. Amen. Pour ce qui est des divisions,
C'est un principe du diable, divisé pour régner. Ni kanuni ya ibilisi ya kunyawa tujua kutawala. Si il y a un problème, kama kuko mambo, quel que soit le problème, ingawa mambo, sachez qu'il y a toujours une solution. Uyosema kuko paka jibu kumbele ya Mungu. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent devant eux, il y avait la mer rouge. Wana wa Israeli wanajikuta mbele yao na bahari nyekundu. Amen. Derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Ils ne savaient pas quoi faire. Et comme Dieu était avec eux, il a donné une solution. La division vient du diable. Et aujourd'hui, il y a des faux serviteurs qui créent des divisions et qui attirent beaucoup de gens vers eux. Ces gens-là, ils sont en train de faire du trafic. Ils utilisent des paroles flatteuses. Et même la Bible dit cela quand vous lisez dans 2 Pierre, ouais. Chapitre 2, verset 1 à 3. Vous allez lire cela à la maison. Passons au sixième commandement. Le sixième commandement de Lucifer dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Ça, pour ce qui est de prêcher et enseigner, c'est en rapport avec ce qui est dit dans Romains 10, verset 17. Où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi le diable, il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés. Il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu. Parce que s'ils sont enseignés, s'ils reçoivent des prédications, ils seront affermis dans la foi. Or, une fois qu'on a la foi, automatiquement, on peut facilement résister au diable. On peut être agréable dans la présence de Dieu si on a la foi. Ainsi qu'il nous a envoyé dans les églises pour troubler les enseignements ainsi que les prédications. Et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs. C'était en rapport avec le sixième commandement. Mais pour ce qui est du témoignage, parce que le sixième commandement dit, ne permettez pas aux chrétiens d'enseigner, de prêcher et de témoigner. Mais pour ce qui est du témoignage, ici j'insiste. Le témoignage, il n'y a pas un petit et un grand témoignage. Amen. Il n'y a pas de petit et de grand témoignage. Quand on témoigne ce que Dieu a fait, ça c'est un signe de reconnaissance. Quand je témoigne, je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour moi. La délivrance que Jésus m'a accordée, il me l'a accordée gratuitement. Je n'ai pas payé. Mais c'est par la grâce. Et je dois témoigner pour marquer ma reconnaissance. Il y a des gens parmi nous, Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux, mais ils n'ont jamais témoigné. Tu étais malade, tu es guéri, mais c'est Jésus qui t'a guéri. Tu n'as pas témoigné ça. Tu étais à la maternité, tu as donné naissance à un enfant. Pendant qu'il y avait encore d'autres femmes, tu étais parti à la maternité avec toi, mais ces femmes sont mortes pendant l'accouchement. Mais toi tu es sorti de là vivant. Mais pourquoi ne pas témoigner ça? Tu étais malade. Tu étais malade. Tu es allé à la pharmacie. Tu as payé des médicaments. Une autre personne avait la maladie comme toi. Et cette personne est allée à la pharmacie. La personne a payé le même médicament que toi. Toi, tu as pris cela. Ton corps est soulagé. Tu es guéri. Mais cette autre personne n'a pas trouvé la guérison. La personne est morte. Pourquoi ne pas témoigner? Vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner? Amen. Quand tu témoignes, tu as la victoire sur le diable. Quand tu témoignes, tu as la victoire sur tous tes ennemis. La Bible nous dit clairement, dans Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu.
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et le témoignage, mes bien-aimés, c'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même. C'est ce que Jésus lui-même avait dit. Quand on lit Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus lui-même dit ceci: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Maintenant le problème. Tu as quel témoignage dans ta famille? Tu as quel témoignage dans ta rue, dans ton avenir, dans ton quartier? Peut-être c'est à l'église qu'on te connaît comme un chrétien. Je suis le lieu de travail. Tu as quel témoignage par tes actes là? Qu'est-ce que tu as comme témoignage? Amen. Amen. On peut témoigner Christ même au travers des actes. Christ à partir de mon comportement, je peux témoigner Christ. N'est-ce pas? Mais toi qui m'écoutes, tu as quel témoignage? Parce que la Bible dit que nous, le témoignage commence à Jérusalem. Dans ta famille, tu as quel témoignage? Si tu as un mauvais témoignage, sache que c'est le diable. Amen. Amen, amen. Le témoignage est là pour l'édification du peuple de Dieu. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible, dans Ésaïe 8, verset 20, la Bible dit à la loi et au témoignage: car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. On passe au septième. Le septième commandement de Lucifer dit ceci: allez propager la polygamie. Et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Je répète, hein? Parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie. Il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie. Allez propager la polygamie. Et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Amen. Amen. Quand nous lisons Genèse 2, verset 24, la Bible dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, on précise bien: il s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à ses femmes. Quand on dit sa femme, c'est pluriel, c'est singulier. Mais Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme. Une femme, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. 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 Mariage, deuxième bureau, troisième. Deuxième bureau, troisième. Il est Nzambi. C'est le péché. Nzambi. Et le diable, il insiste. Il dit: j'aurai plusieurs âmes. Cela veut dire quoi? Les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués, ce sont des âmes. Wow. Ce sont des âmes. Ni qui sont déjà à la disposition de Lucifer. Lucifer. Amen. La Bible est claire, mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Dans Exode 20. Et le verset 5. Amen. Dieu dit ceci: je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Amen. De tels mariages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est déjà le péché. Et cela tombe même sur les enfants qui naissent dans de tels mariages. Ils naissent déjà sous la malédiction. Mais tu peux être parmi nous. Tu es né dans un tel mariage. Tu n'as pas demandé à tes parents de naître dans ce
dans un tel mariage. Ce que tu peux faire, tu peux seulement demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents. Dieu les et par après, tu demandes le sang de Jésus pour se sanctifier, pour effacer ce péché sur toi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9:22, la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et quand tu demandes le sang de Jésus, le sang de Jésus va effacer ce péché là, et tu n'auras pas de problème. Le diable n'aura pas une main mise sur toi. Amen. Amen. On passe au 8e commandement. Amen. Le 8e commandement dit ceci. Soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Vous allez voir certains chrétiens qui ont dans leur maison des images d'un faux Jésus avec un cœur rouge. Il y en a d'autres qui ont des photos dans leur maison où il y a une certaine Marie. Kuko Maria. Celle-là, ce n'est pas la mère de Jésus. Celle-là, c'est Marie Marguerite. Oule ni Marie Marguerite. Marie. Maria. Qui avait donné naissance à l'enfant Jésus. Oule lizalaka mtoto Yesu. Elle est déjà morte. À chaque farike. Et toutes ces bêtises qui se font. Na yima misa yote kuna fanyika. Dans cette religion-là. Moile dini. Que vous connaissez bien. Ilambe muna yua. Marie, elle ne connaît même pas ça. Maria yua ile bitu. Elle ne connaît pas. Yashibiu. Elle aussi, elle attend l'enlèvement. Yena yeko na chunga kunyanyuliwa. Je vous dis la vérité. Bon, si on me donne la permission, je vous parlerai sur la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. La Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui retient la vérité captive. Amen. Amen. Moi, je connais la vérité sur le catholicisme. Et si je ne vous parle pas de cela, je serai maudit. Amen. Pour éviter la malédiction, dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur la magie sainte avec toutes les précisions. Amen. Amen. Parce que moi j'ai été initié dans cette magie par un prêtre catholique de nationalité espagnole. Il était de la nationalité espagnole. Il était de la congrégation des Pères Blancs. Et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte. J'avais même rencontré Marie dans le monde Armstrong. Mwile dunia ya Armstrong. Le monde Armstrong, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes dunia Armstrong, nile banaita mise mwingine, le domaine marial. Domaine marial. On parlera de toutes ces choses. Tutasema juu ya vile vitu vyote. Je sais que parler sur le catholicisme. Na hiyo asema kusema juu ya maneno ya bakatolo. Amen. Hein? Amen. C'est provoquer une guerre. Ni kuchokoza mvita. Parce que le catholicisme, c'est tout un gouvernement. Kwa maana maneno ya kikatolo ni serikali mjima ile. Beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique. Watu mingi ba kishetani banafuchama mwili. Et ces gens-là, ils vont chercher à me combattre. Bale batu watatafuta kunikombanisha. Je n'ai pas peur. Sina na boka. Je sais une chose. Najua kitu moya. Tant que la mission que Jésus m'a donnée. Kama tu ile kazi Yesu alinipatia. Tant que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin. Kama tu ile kazi hayafika kumwisho. Quoi que l'on fasse contre moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je sais et j'ai la foi. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. 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 C'est extraordinaire. Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi? L'année 2005, ici à Lubumbashi. On a déjà tiré sur moi. Mais bien-aimé, notre Dieu, il est fidèle. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Éternel. Tel que je suis,
Vile Nico. Je connais le diable. Najwa Ibilisi. Je l'ai déjà servi pendant 25 ans. Kisha kumutumiki ya kadiri ya miaka. Je sais ce qui se passe après la mort. Na yua nini ni atutikanika kisha lufu. Si une personne meurt dans le péché. Kama muto nakufa ndani ya dhambi. Je sais ce qui se passe après. Najwa nini ni atutikanika kisha. Et je fais de tout mon mieux. Na nafanya yote yawezekana. Pour éviter le péché. Jua kuepuka dhambi. Et tel que je suis. Na vile Nico. J'ai l'assurance. Niko na hakikisho. Si je meurs. Kama mimi nakufa. Je n'irai pas chez Satan. Sitenda kwa shetani. J'irai dans les lieux de repos. Tenda fasi. J'irai me reposer. Tenda kupumzika. Je n'ai pas peur de la mort. Sina na boka ya lufu. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort. Parce que pour un enfant de Dieu, la mort c'est juste un sommeil. Et lorsque la trompette va sonner, tu vas sortir pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et pourquoi tu as peur de la mort? Si tu as peur de la mort, tu as quelque part dans ta vie encore de péché. Bon, même si tu as peur de la mort, est-ce que tu es éternel? Et alors? Mieux vaut mourir pour Jésus. Ni mozuri kufa juu ya Yesu. Parce que même si tu crains la mort, ataka monongo pa lufu. Même si tu te caches, ataka monafuchama. Même si c'est toi qui as des grands médecins, ataka monwenjo kuna baganga bakubwa. Sache que la mort, uyosema lufu. Quand, lorsqu'elle viendra, wakati takuya, tu n'auras même pas un mot à dire. Hautakuwa tena msemo moyo ya kusema. Alors pourquoi tu préfères mourir dans le péché? Jioni unapenda kufa Mozambi. Demain, nous allons parler sur le mystère de la mort. Je vais vous parler sur ce qui se passe après la mort. Mais beaucoup de gens croient que si je meurs aujourd'hui, c'est la fin. Mais moi, je te dis la vérité. Si tu meurs dans le péché, sache que c'est le début de la souffrance. Wow. On parlera de cela demain. Mon souci à moi. C'est que toi qui m'écoutes, que tu abandonnes la vie de péché. Wache maisha ya zambi. Le péché c'est ce qui donne l'accès au diable dans ta vie. Mulango, inafunguraka mulango kwa shetani. Le diable trouve sa force dans le péché. Et même la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort c'est le péché. Ata Biblia nasema ile chongo ya lufu ni zambi. Amen. On parlait sur le huitième. Le huitième commandement. Amri amnani nasema. Soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Mutiishi ba Kristo banze kuabudu mapicha na sanamu. Vous allez voir dans certaines maisons. Taona machumba ingine. Vous allez trouver des crucifixes. Utakuta misalaba. Avec un Jésus mort. Na Yesu moja chakufwa. À la croix. Kumsalaba. Nous ne refusons pas Jésus. Atukatale Yesu. Il était à la croix, c'est vrai. Mais il n'est plus à la croix. Il a déjà quitté la croix. Il y a plus de 2000 ans, il n'est plus à la croix. Quand nous voyons la croix, ça symbolise seulement la victoire. La victoire de Jésus. Amen. Mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix. Quand il y a des images, des images taillées, des histoires dans des maisons, des idoles. Ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent vous protéger. Même si vous avez une photo d'un faux Jésus au mur, ne croyez pas que les sorciers auront peur de vous à cause de ces images. Ces images-là permettent aux sorciers de descendre et d'entrer facilement dans la maison. J'avais parlé de ça ici. Comment on descendait dans les maisons lorsqu'on était encore sorcier. J'avais expliqué ça ici. Ces choses-là, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit ceci. Dans Exode 20, verset 4, il dit ceci. Tu ne te feras jamais des images taillées ni des représentations quelconques des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, même plus bas que la terre. Quand tu fais des choses pareilles, tu es dans l'abomination devant Dieu. Ce ne sont pas des photos qui sont accrochées au mur. Il y a des photos qui sont accrochées au mur qui vont te donner la protection. Mais c'est Jésus qui protège. Le Seigneur Jésus, quand il protège, nous n'avons pas besoin de le mettre au mur. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'il soit en nous. Voilà pourquoi Paul nous dit ceci. Quand on lit Galates 2, verset 20, Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est extraordinaire. Neuvième commandement. Amri ya tisa. Le neuvième commandement comporte deux volets. Amri ya tisa, na kwa na vipande mbili.
Le premier volet dit ceci. Pandika kwanza kinasema? Soumettez les chrétiens. Mutishe wa Kristo. Ou l'humanité entière. Au limwengu mzima. Au culte des ancêtres. Kwa budu wa nkambo. Le culte des ancêtres. Ile mabudu ya bankambo. Amen, amen. Ibada ya bankambo. Amen. Amen. Le culte des ancêtres. Ile ibada ya bankambo. Je peux vous donner un exemple terre à terre. Neza kumipatia mfano moja chini chini. Quelque chose qu'on peut me négliger. Kitu moja tunaweza kuzayau. Amen, hein? Amen. C'est un exemple. Ni mfano tu. Il y a certaines personnes. Quand elles sont en train de manger. Commettent une erreur par imprudence, il y a une boule qui tombe. Anafanya nkosa ntonge na mponyoke na mka chini. Vous savez ce qui se dit après, hein? On a vu les bantu anasema kisha. On dit ce sont les ancêtres. C'est ma bankambo bana lomba. Et on prend même le condiment, on ajoute. Kamata na mboka banaikia yulu ya ntonge pale. Amen, amen. Mais quand vous après même après 5 minutes, vous verrez que la boule est toujours là. Il y a même des fourmis qui sont déjà là. Alors tes ancêtres à toi sont des fourmis. Amen. Amen. Ça c'est le diable. Il est ibilisi. Je vous donne un autre exemple. Amen. Amen. L'adoration. Donc le culte des ancêtres. Il est ibada ya bankambo. Comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine-là? Namna kanishetani unatumika au sein de l'église. Ndani kanisa. Le tribalisme. Ubaguzi wa kabila. Le tribalisme. Ubaguzi wa kabila. Amen, hein? J'insiste, c'est le Lucifer lui-même nous avait dit ça. Mina kazisha Lucifer mwenyewe alituambia. Le culte des ancêtres dans l'église, ibada c'est le tribalisme. Ya bankambo mukanisa. Vous allez voir dans l'église. Il y a certaines églises. Des églises où le tribalisme. Amen. Amen. Vous êtes dans une église. Pour vous donner un poste. Non, celui-là, non. Il n'est pas de notre tribu. Wow. Il faut seulement notre tribu. Non, mais bien aimé. Quand nous sommes enfants de Dieu. Tel que moi je suis. Moi je suis de la tribu de Jésus. Même toi. Atawe. Tu es de la tribu de Jésus. Yesu. Nous tous. Sibote. Nous sommes de la tribu de Jésus. Yesu. Et ainsi nous tous. Sisi nous ote. Avons un même père. Baba nous moja sommes tu. Tous les enfants de Dieu. Sisi ote watuko watoto ya Mungu. Quand vous voyez des églises. Yesu. Où il y a le tribalisme. Sachez que le diable règne. Dans amen. Toujours dans le culte des ancêtres. Dans certaines religions, on vous dira, vous savez, pour atteindre Dieu, hein, c'est difficile. Il y a quand même des gens, durant leur vie terrestre, ils ont vraiment tendu vers la perfection. Et ces gens-là, hein, ce sont des saints. Ainsi, on va d'abord prier le saint. Après le saint, eux, à leur tour, ils vont conduire la prière chez Marie. Atapeleka ile maombi kwa Maria. Et Marie à son tour kisha Maria na yeye va conduire la prière chez son fils atapeleka Jésus, maombi kwa mwana wake Yesu et Jésus vers le Père. Yesu na yeye kwa baba. Et bien aimé. Wapendwa. Mais pourquoi cette longue gymnastique? Dieu a nini le kalasisi mrefu vile? Pourquoi? Dieu a nini? Pourquoi cette longue gymnastique? Dieu a nini kalasisi mrefu vile? La Bible dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Timothée la kwa Bible kwa dit, mustari wa tano. Il y a un seul Dieu. Kuko tu Mungu moyo. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus Christ. Mutu na Mungu ni Yesu Kristo tu. C'est Jésus seulement. Yesu je tout. Prie au nom de Jésus. Yesu Jésus lui-même avait dit Yesu tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. C'est vrai. Amen. Amen. Pourquoi cette longue gymnastique? Dieu il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Le deuxième volet du neuvième commandement. Na kipande kia pili kia ile amri ya tisa. Dit ceci. Inasema hivi. Soumettez le chrétien au contact de la télévision. Musutishe ba Kristo kwa mapatano ya télévision. Et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Na vile aba nana na majaribu. Déjà quand je parle de ça. Kama inasema jua ile maneno. Tout le monde est d'accord. Watu wote banakubaliana. Est-ce que je me trompe? Mina danganya. Le diable nous avait dit. Iblis elle tombe. Soumettez le chrétien au contact de la télévision. Tishe tu Kristo kwa mapatano na télévision. Et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Na vile atanza tala kushindana kwa majaribu. Regardez vous-même la jeunesse d'aujourd'hui. Angalia leo biana bia leo. La jeunesse d'aujourd'hui est détruite à cause de la télévision. Biana bia leo binaribishwa kwa ajili ya télévision. Vrai ou faux? Mina danganya. C'est vrai.
Les filles sexy, on voit toujours à la on télévision. On cherche à être vedette. T'as quoi, voilà, vedette? Je sais, parce que j'ai vu tel musicien. Maman a mis un musicien fulani. On cherche à s'habiller de n'importe quelle manière. T'as quoi voilà mon âme na yoyote? Parce que j'ai vu à la télé. Tu m'iras na télévision? Amen. Nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Tu passes quoi en grève bientôt bientôt télévision? Heureusement. Eri. Dieu nous a fait grâce. Il y a des chaînes chrétiennes. Coco, ma chaîne y'a pas Christ. Nous pouvons suivre des chaînes chrétiennes au lieu de nous intéresser à des futilités. Ma chaîne y'a pas Christ. Mais bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Tout comme toi, tu es mon. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout comme Odonia, la qui n'attend à tout n'abandonne tu Odonia. Aujourd'hui, Léo, il y a des sœurs qui ne savent plus que comment s'habiller. Coco, bada d'abayo, que voilà à cause de la télévision. Quoi dis-tu tu as télévision? Quoi ne savent plus comment s'habiller. Wow. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas deux passages bibliques. Et quand tu lui parles sur tel film, il va t'expliquer tout. Toutes les saisons, il connaît. Ma saison, il t'en a eu, amoureux. Tout ça, tu connais. Amen. 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 Est-ce que je mens? Es-tu mis à l'Inde? Il peut t'expliquer. Anéza koko facilia. C'est comme si il était là pendant qu'on faisait la conception de ce film. Il va t'expliquer même ce qu'on a parti. Il va te dire à ce niveau, on devait faire ça. Mais si tu lui demandes seulement un seul passage biblique, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il va connaître comment. Ils sont là. Il ne se trompe pas ça. Tout passera. Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais elle va demeurer éternellement. Mais toi, tu donnes l'importance à des choses éphémères. Mais tu négliges la parole qui donne la vie. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui bénit. La parole qui délivre. Ça, tu négliges. Dans les 24 chronos, tu es numéro 1. Dans le prison break, tu connais tout. Prison break, nous autres, je sais même. Même les saisons, on est en train de préparer. Dans ma saison, tu connais même, tu expliques même ce qu'on n'a pas encore montré. Où qu'on a facilité la pile à Bayonetta. Eh bien aimé. Oh, peine, bah. Faites attention. C'est vrai. Amen. Que pensez-vous? Il n'y a pas seulement ça. On a tout pas gagné. Il y a les films. Où qu'on a filmé? Le film Karashika. Il y a un film Karashika. Beaucoup de gens croient que ces films-là, ce sont des films de chrétiens. Mais ceux-là qui tournent ces films, ce ne sont pas, ce ne sont même pas des chrétiens. Allez, bah, tout le monde va faire les films à Christ. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas des chrétiens qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en suivant seulement le film de Karashika. Ces films-là, on les voyait déjà dans le monde de Satan. Ah. Dans ce monde, c'est arrivé vers les années 99-2000. Déjà l'année 1994, on voyait cela dans le département du prince Talos. Le prince Talos, c'est ce démon-là qui joue une influence négative sur toutes les personnes qui portent le nom de Guilin. Le nom de Guilin, j'insiste. Nakazi Shandina Guilin. À cause de ton nom, il y a un démon qui t'influence. Amen, amen. C'est quoi, de ne pas le prêter à son enfant. Bon, aujourd'hui, on n'a pas le temps, je vous donnerai des précisions par après. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo sera extraordinaire. Vous avez entendu, c'est pas fini. Le prince Talos. Là où on montre des histoires mystiques. En étudiant l'homme, Lucifer nous avait dit ceci. Lucifer, l'homme, dans sa nature, il est plus attiré vers le mal que vers le bien. Ainsi, quand vous voyez ce film, on montre d'abord les choses mystiques. Ce n'est que vers la fin, on va vous montrer une petite séquence là. Un serviteur de Dieu qui triomphe. Mais la personne, en voyant ce film, la personne va beaucoup va retenir plus ce qui est négatif. Oui. C'est l'envoûtement.
Il est niqué. J'ai un doute quand vous regardez ce film. Comment on regarde les films? Il faut voir des films. Bon, là, ce sont des films où on parle, où on montre pas des choses mystiques. Après, quand vous regardez les films, vous n'avez pas vu du yabuchawi. Il faut éviter même les films d'horreur. Et pourquoi? Attendez, les films est à beau casan avec des zombies, des vampires. Évitez de regarder ces films. Et pourquoi quand vous regardez les films? Ça crée la peur. Et qu'on allait ta boca. Or, une fois que tu as la peur, comment qu'on a beau tu ne pourras jamais combattre le diable. Ah ouais, c'est comme combattre ça, Satan. Ça, il y a vrai. Certaines personnes qui ne savent même pas sortir la nuit pour aller se soulager. Parce qu'ils ont vu un film d'horreur. Est-ce que je mens? Est-ce que toi tu peux chasser les démons tout en tremblant? Un démon pour le chasser. Il faut prendre l'autorité sur lui. Oui, et si tu as la peur, comment tu peux chasser les démons? Comment? Ce film là des vampires, amen. C'est le diable lui-même. Amen. Qui pousse les gens à tourner de tels films. Et la majorité de ceux-là qui tournent des films d'horreur, ce sont des satanistes. Oui. Dans les jours à venir, je vais vous citer le nom de quelques acteurs. Il va nous citer le nom de quelques acteurs. Abonnez-vous à qui la porte, pas manquer. Comme l'homme qui a tourné le film de Blade. Comment le mot a fait le film à Blade? Le film de Blade. Oui, oui, oui. Vous connaissez cet homme-là? Wesley Snipes. Wesley Snipes, le sataniste tout fait. Shetani wa nguvu sana. Amen. J'ajoute. Mina aliko. Toujours sur le deuxième volet du neuvième commandement. Paka mwiki pande kia pili kia amri ya tisa. Le film pornographique. Ma film ile ya watu wasio mavazi. Il y a même des chrétiens. Kuko ataba Kristo. Qui ont de tels films dans leur maison. Beko na ile ma film mu manyumba yao. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu cherches? Boko moko na yangere njoko na tafuta nini? Il y a même des jeunes gens tabiana, qui vont à l'internet, internet, pour suivre des films pornographiques. Tu les films pornographiques. Mais qu'est-ce que tu cherches? Mes bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Bon, le dixième commandement dit ceci. Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit, dans Romains 10, verset 13, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Je viens de donner les 10 commandements. Tous les 10. Maintenant, toi qui m'écoutes, je crois que tu te retrouves. Tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer. Sache que le diable a une main mise sur toi. Tu dois te repentir et chasser les esprits. Les esprits impurs. Amen. 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 Bon, ça sont les 10 commandements. Dans les jours à venir, je vais vous parler sur le sommeil spirituel. Abonnez-vous, on vous répète, on va lire des choses, on est dans la prochaine vidéo. L'apostasie. Il est banalité, l'apostasie. Le diable nous a fait parler. Jeudi prochain, soyez prêts. Mes bien-aimés, il y a un homme sur cette terre. Cet homme-là, il n'a pas de père humain. Ana na baba mutu. Sa mère, c'est une juive. Mama yake ni muyuda. Son père, c'est Lucifer. Quoi, le diable lui-même? Et cet homme-là, son nom, c'est le capitaine Samanari. Naole mutu jina yake ni capitaine Samanari. Où est-ce qu'il est maintenant? Niwapi yuko sasa? C'est un multimilliardaire. Ni mutu mmoja ako na fedha ya mingi sana. Pour le moment, il est au Vatican. Hapa sasa yuko kwa Vatican. Parce que la papauté, c'est l'ombre de l'antichrist. Kwa maana ile papauté ni kimvuli ya ule mpika Kristo. Cet homme-là, ule motu, le capitaine Samanari, ule capitaine Samanari, c'est en cet homme-là Ndanya ule motu, que va s'incarner mutajingisha, l'esprit de l'antichrist. Il est un peu mouchafu ya ule mpika Christo. Il est déjà sur terre. Eko pa dunia. Il est au Vatican. Eko ko Vatican. Et c'est celui qui est en train de financer beaucoup d'ONG. Nani yeko na leta feza kuma ONG mingi. Les ONG, hein? Ma ONG. Les dons, les cadeaux qu'on donne. Mazawadi, quand vous recevez ces choses-là, avant de les utiliser, priez sur ces choses. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Mais on parlera de ces choses-là. On parlera aussi sur ce qu'on appelle la vision mondiale. La vision mondiale.
Connaissez la vision mondiale. La vision mondiale, la nouvelle ordre mondiale. Voilà, la nouvelle ordre mondiale. Abonnez-vous, on va parler de la prochaine vidéo. Abonnez-vous. On peut évoluer. Tenez à Kondelea. Parlons maintenant sur la main de Satan. Vous êtes tous abonnés. Cliquez là-dessus. Tu vas parler de la main de Satan maintenant. Il y a beaucoup de choses qui restent à expliquer. Il y a beaucoup à expliquer. Je vous donnerai les caractéristiques des églises de Satan. Je n'aurai pas vraiment le temps de citer les noms des églises. Mais à partir de caractéristiques, vous-même, hein, vous saurez comment reconnaître les églises de Satan. Je vous donnerai tout cela. Je vous donnerai même le plan d'action de Lucifer pour créer des sommets spirituels dans l'église. Wow. Lucifer a l'enfant chez Mukanisa. L'apostasie qui n'est autre que l'abandon de la foi. Amen. Amen. Vous savez que l'homosexualité, le mariage entre le PD et le lesbienne, vous savez que c'est la volonté de Lucifer. Ça se trouve parmi les points qui sont sur le plan d'action. Rapidement, nous passons à l'armée de Satan. Dans ce monde, mes bien-aimés, il y a deux armées en opposition. Il y a d'une part l'armée de Satan et d'autre part l'armée de Jésus. Merci. Pour l'armée de Satan, le commandant en chef, c'est Lucifer lui-même. Vous savez qui est de l'armée de Dieu? Le commandant en chef, c'est Jésus, le roi de l'homme. Ces deux armées possèdent chacune deux parties. Pour ce qui est de l'armée de Satan, la partie invisible, c'est le diable, les anges déchus et les démons. Pour ce qui est de la partie visible, ce sont les sorciers, Jobaloji, les magiciens, Bachaoui, les catcheurs, Bakacheur, les rosicruciens, tous ceux-là qui travaillent, les êtres humains qui travaillent pour le diable. Ils représentent la partie visible de l'armée de Satan. Pour l'armée de Jésus, la partie qui est invisible, voyons Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible de l'armée de Jésus, c'est l'église. L'église, pas n'importe quelle église. L'église où on accepte la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais entre les deux armées, oui, il y a une armée qui est au-dessus de l'autre. L'armée qui est au-dessus, c'est l'armée de Jésus. Et si je t'assure, toi qui m'écoutes, juste aujourd'hui, Jésus est en train de recruter les soldats pour son armée. Si tu entres dans l'armée de Jésus, tu auras la puissance, la force de marcher sur l'armée de Satan. Jésus lui-même avait dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et si toi qui m'écoutes, si tu entres dans l'armée de Jésus, tu auras la capacité, tu auras le pouvoir de marcher sur les sorciers, sur les magiciens, sur le catcheur, sur les rosicruciens, sur les écancars, sur les démons, même sur le diable lui-même. Et sache que rien ne pourra tenir. Amen. Amen. Le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Tu sais que la Bible nous dit dans Job chapitre 7 verset 1. Entre dans l'armée de Jésus. Amen. Si tu entres dans l'armée de Jésus, tu seras accompagné par des miracles. Yeah. Marc 16:17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ouais. Amen.
Amen. Parlons de l'armée de Satan. Bon, on parle 5 minutes. On laisse la parole à Papa Zacharie pour la prière. Amen. Amen. L'armée de Satan, le gouvernement de Lucifer, c'est lui qui est à la tête. Uh-huh. C'est Lucifer. Lui-même. Et quand, quand on travaillait pour lui, il nous avait dit ceci. Lui, Lucifer, il a trois catégories d'ennemis. Suivez-moi bien. Trois catégories d'ennemis. La première catégorie, c'est la femme. Nimuke. La femme. Muke. La femme, tu détestes la femme. Parce que c'est la femme qui a donné naissance Alizala, à l'enfant qui est venu détruire les œuvres du diable. Oulali, toka, kuma, kazi, parce que c'est encore la femme qui continue à mettre au monde les serviteurs Batumishi, et les servantes de Dieu qui mungu, détruisent les œuvres du diable. Arribu, makazi, la femme. Wow. Quand vous regardez dans ce monde, la femme elle est beaucoup plus combattue que l'homme. Mwanamuke, beko, namukombanisha sana kushindia mwanaume. Est-ce que je me trompe? Ouais. Regardez même quand on fait passer des musiques mondaines. Regardez comment on habille la femme. Est-ce que c'est la même façon avec l'homme? C'est le diable. Après cela, deuxième catégorie, c'est toute personne qui garde le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. C'est toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus et est automatiquement ennemi de Satan. Troisièmement, toute personne qui est née d'une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Toute personne hein, qui est née d'une femme, la postérité de la femme, même les sorciers, ils sont nés aussi des femmes. Malgré qu'ils travaillent pour le diable, ils sont encore ennemis de Satan. Non, même si tu es sorcier, tu travailles pour le diable, mais il est déjà ton ennemi. Quand tu vas mourir, mais ce sont les chaînes et un cadenas qui t'attendent. Wow. Ce sont les trois catégories d'ennemis. Et après, le diable, lui, Satan, il occupe la première position dans son armée. Et ici, si j'ai posé la question, nous savons tous que nos premiers parents dans le jardin d'Eden, Adam et Ève, Amen, hein? C'est Ève, la femme qui a été séduite en premier lieu. Elle, à son tour, elle est allée tromper son mari. Amen. Et si j'ai posé la question, pourquoi le diable n'est pas allé directement chez Adam, mais il a préféré commencer par Ève? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, vont répondre en disant que non, la femme, c'est un être faible. Il y aura des réponses, différentes. Alors, comme on n'a pas assez de temps, je vous donne rapidement la réponse et on laisse le micro. La personne finit le témoignage, mais voilà, la prochaine partie. Quand je dis prochain, abonnez-vous à cette vidéo. Il a tout créé. Il a créé l'homme. Il a créé les animaux. Les animaux de champ. Les oiseaux du ciel. La Bible dit ceci. Après avoir créé les animaux de champ, les oiseaux du ciel, Dieu les a conduits chez l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms. Ouais. Amen. C'est l'homme qui devait donner le nom à toutes les bêtes. Mais pendant ce temps-là, Ève, elle n'était pas là. C'est Adam qui devait donner le nom. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Adam, quand il donnait le nom aux bêtes, c'était en fonction de leur comportement. Il regarde une telle bête, se comporte de telle façon, il donne un nom. Amen.
Et c'est ce qui s'était passé. Et Ève est venue par après. Alors quand Ève est venue, le diable, pour tromper nos premiers parents, il s'est incarné dans une bête. La bête qui est le serpent. Ainsi, il n'est pas allé directement chez Adam. Parce que Adam, c'est lui qui avait donné le nom même au serpent. Il avait donné le nom au serpent en fonction du comportement du serpent. Donc le diable, lui, il s'était incarné dans le serpent. S'il allait directement chez Adam, Adam connaissant bien le comportement du serpent, il venait dire que le serpent ne se comporte pas comme ça. Il y a une force extérieure. Alors comme Ève ne savait rien, il est allé chez Ève et il a trompé Ève. Après, la pauvre femme là comme ça, tu l'as trompé. Aussi trompé. Abonnez-vous. Que mon Dieu. Attendez la prochaine, pas manquer la prochaine vidéo. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoubon. Adressez cette vidéo sur tous, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, adressez cette vidéo sur tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!